Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente le vlog ultime du festival qui a défrayé la chronique cette année. J'ai nommé le Motocultor 2023. Vous me connaissez très bien, ce ne sera ni un vlog édulcoré où on va passer en revue tous les aspects positifs du festival sans aborder les aspects négatifs. Mais on va également essayer d'apporter une vision nuancée et complète et pas se contenter vite fait d'un pauvre facecam à l'arrache pour faire du clic en chiant bien sur le Motocultor vis-à-vis de tous ces aspects négatifs parce que j'ai un peu l'impression que c'est la mode en ce moment. Donc voilà, vous vous apprêtez à visionner environ 1h30 sur un des plus gros festivals français de métal. On va évidemment parler du nouveau site du festival, de l'organisation, la sécurité, les bénévoles, les stands de bouffe, l'ambiance générale, la gestion de l'hygiène, le son et évidemment les groupes. Et pour vous faire plaisir et vous en faire découvrir plein, j'ai essayé d'en voir le plus possible. Je crois qu'il y en a plus d'une trentaine dans ce vlog. À moi tout seul, c'est quand même pas mal, hein, sachant que des fois, t'as des webzines qui viennent parasiter le festival avec au moins 15 accès VIP pour faire un report que personne va lire sur seulement 40 groupes. Bon allez, trêve de blabla, fini de rager pour le plaisir. Je vous souhaite un très bon visionnage et on commence maintenant. Allez, c'est parti, 6h du matin, on va se barrer pour le Motocultor. Et je me suis préparé, j'ai pris les snacks de champion. 40 grammes de prot par sachet. Ah bah si tu bouffes ça, t'as pas intérêt à rester plus de 5 minutes sur le trottoir, hein, parce que sinon après on va croire que t'es un 4x4 en stationnement et puis on va te mettre à la fourrière direct. Hein. Bon, je vais pas abuser, je vais peut-être en prendre un ou deux, quoi. Alors il est 15h, je viens de descendre du train. Je suis à Carhaix. Précision logistique, le Motocultor cette année s'est déroulé à Carhaix pour la première fois, qui est également le patelin du Festival des Vieilles Charrues. Je visite un petit peu, bon j'en profite hein, parce que mon hébergement est sur le chemin. Et attends, bah oui, moi j'ai négocié un hébergement, hein. Villa 600 m² habitable avec piscine et tennis. Hein. En tout cas, les coins de Carhaix sont très romantiques, hein. Franchement, si vous voulez faire une petite balade entre amoureux avant d'aller au Motocultor, je pense que c'est un très bon plan. Putain, les baraques de Richos, les gens ils ont des ronds. À Carhaix. Ah, on sent la bonne ambiance. La bonne ambiance. Bon, ça c'est la chambre. Il est 15h30, on va se diriger tranquillement vers le fest. Je rentre sur le site du festival et là je vois quoi ? Une énorme queue. Comme je suis en VIP, je n'ai pas connu moi-même le désagrément des files d'attente à l'entrée du festival. Mais, et vous verrez qu'on en reparlera plus tard dans le vlog, les files d'attente de jeudi et de vendredi étaient vraiment extrêmement longues. Il y en a qui sont arrivés 2h30, voire 3h après le début des concerts. Donc c'est pas ouf, moi je conseille quand même aux Motocultor de mettre en place plus de files d'attente à l'entrée et donc forcément augmenter les effectifs de sécurité. En revanche, à l'intérieur du festival, à toute heure, le trafic était super fluide. Vous verrez que j'ai filmé à différents moments de la journée et c'était vraiment un plaisir de circuler. Et d'ailleurs, j'y reviendrai plus tard dans le vlog. Alors, invité surprise que je ne pensais pas voir ici, ça va Izzy ou quoi? Bonsoir. 5 ans qu'on s'est pas vu sur un fest, hein. La dernière fois c'était au Dreamer Fest. Ça remonte. Là on vient de se taper Commodore, enfin pas tout le groupe, mais on se les est tapés visuellement. T'en penses quoi? Inoubliable. Petit côté années 70 là, avec les pornstaches, les fringues, la clope au bec en mode rien à foutre. Moi j'ai bien aimé. Hein. Très très bien, franchement le petit look, les Mickey Mister. C'est très très racé années 70. L'identité visuelle et musicale est très forte. Il y a vraiment le grain typique de ces années-là qui a été imité. Et si ce genre de groupe te plaît, il y a Olas juste après, oui. Ou Alas, je sais plus comment on prononce ça, désolé Robin. Mon pote qui apprend le suédois. Je sais pas si t'y vas toi, moi j'y serai en tout cas. Je dormirai peut-être, désolé. Lost in Kiev, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Bah donc, c'est du poste pour s'endormir, donc si jamais tu veux venir. Eh ben let's go, c'est parti. Avec Gova ici, l'équipe de Metal Sound Media présente, ça va ou quoi ?
Ah bah ça va très bien, on est là depuis hier hein, de ma part. T'es content d'avoir un pass VIP grâce à moi? Ouais ouais, on vous dira, mais c'est grâce à ce machin là que vous voyez sur l'écran. Tu peux pas savoir comment j'ai sucé pour que tu l'aies hein. Oh là là. Oh là. Et grâce à lui grâce à lui j'ai pu interviewer Royal Republic, donc on le retrouvera bientôt en... Merci de m'avoir conseillé l'hosting Kiev hein. C'est vraiment cool. Je les avais vus pour la première fois au Post in Paris, c'est grosse claque. C'est propre et c'est très prenant, les ambiances elles sont vachement réussies. Le son est parfait. Mais si vous aimez l'hosting Kiev, vous pouvez voir ce groupe ce soir aussi, Long Distance Calling. Voilà, grosse dinguerie hein. Mais je vais pas trop faire ce que tu fais parce que toi t'es plus post-ambiant. Ah on voit bien hein, monsieur va à Burning Witches après. Oui mais moi je veux voir Burning Witches parce que leur ancienne guitariste elle a fait un solo pour Crystal Throne. Je suis plus curieux de voir Burning Witches que l'autre groupe là, je sais même plus comment il s'appelle. Psychotic Monks. Voilà bah je m'en bats les couilles. J'ai décidé de faire des choix drastiques, voilà. Et choisir, comme l'a dit mon professeur, c'est sacrifier. Oui, c'est vrai. Bon allez, montre-moi le pass VIP là, elle est où la coke là? Alors Gauvin, on est allongé dans l'espace VIP, sur fond d'une chanson qui parle d'anal. Tu te sens comment? Bah ça va, je me sens bien, c'est un groupe que j'aime, hein, voilà, Royal Republic, Anali pour les connaisseurs. Hein. J'étais dans l'espace VIP, je me reposais un peu de loin, j'entendais Royal Republic là, ça avait l'air pas mal. Ah bah moi je suis fan. Hein. Et le chanteur il arrêtait pas d'insulter les autres, il insultait le public de motherfucker, il a dit je sais pas combien de trucs gênants depuis le début du live. Ensuite il a sorti sa guitare acoustique pour faire un truc pour baiser des meufs, selon ses propres termes. Une arme de destruction d'amour. Sexuelle. Non, sexuelle, t'as raison. Il a pris une baguette de batterie au batteur pour faire un solo avec lui. Et ensuite, il l'a agité devant sa bite, tel un énorme mandrin. C'est très spécial, hein, Royal Republic. C'est l'humour à la suédoise, en fait. Je découvre. Après. On a vu quoi? Hey Williams, ouais, j'ai vu ça aussi. Je connaissais que le split avec Mono et là c'était incroyable. Franchement, dès la première chanson, il y avait quand même une certaine ambiance. Il y a peu de notes, mais ça va pas dans la facilité. Ça part dans des horizons, des progressions mélodiques que t'as pas trop l'habitude d'entendre dans ce style de musique. Moi, ça m'a bien plu. Bon, voilà, on a Master of Puppets derrière si vous entendez. Parce que Royal Republic adore jouer une chanson de métal. Mais c'est pas Master of Puppets. Hein. Ah non, fait c'est exprès. Batterie. Pardon, excusez-moi. Wow, Gauvin qui écoute des groupes de cave que personne ne connaît. Et il reconnaît pas du Metallica quoi, c'est incroyable. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais mecs de l'underground. Et du coup... That's right, bitches. Alors je suis désolé, j'arrive pas à m'arrêter de rigoler, le mec insulte son public. Et puis tu sais, comme les Français, ils parlent tous anglais comme des quiches. Le mec il peut dire, that's right, motherfucker, yeah, bitches, suck my dick, comme ça. Et tout le monde qui fait, ouais. Du coup j'ai vu Burning Witches aussi. J'ai bien aimé, ça m'a surpris, je pensais pas que la chanteuse était aussi bonne. Un petit côté Jill Janus, très très sympa. Bon, la musique c'était un peu plus, j'ai envie de dire plan-plan. Ouais, j'ai un ami, ça l'a un peu ennuyé. Les titres les moins intéressants c'était au début. Et ensuite, elles ont commencé à faire du tube, tu vois. Franchement c'était cool. Moi j'étais à une autre ambiance. Hein. Ceux qui aiment le Stinkive vont probablement aimer Mono. Et si vous aimez Mono, vous avez forcément écouté le split avec A.A. Williams. Arrête de faire genre tout le monde connaît tes groupes, Gauvin. Arrête Mono quand même. Personne ne connaît tes groupes, Gauvin. Non mais si les gens connaissent Lost in Kiev, ils vont connaître un peu de post-rock. Mais personne ne connaît Lost in Kiev, tout le monde les a découverts aujourd'hui. Personne ne savait qu'ils existaient à part toi. Sans déconner, il y a beaucoup T'étais de T'étais la seule personne au Post in Paris. Faudrait faire un autiste fest et en fait on serait que trois. Oh, on serait bien. Oui, on serait bien parce que moi j'aime pas les gens. Enfin, je les aime autant que toi, c'est-à-dire.
dire pas trop. On vous aime, hein. Abonnez-vous. N'oubliez pas mon Tipeee. Common motherfucker. Tiens, je fais comme Royal République. Peut-être que ça a marché. Peut-être qu'effectivement, depuis le début, il faut les insulter. C'est-à-dire qu'en fait, je fais la bonne chose depuis 7 ans et je le savais même pas. T'es un mec 7 ans de chaîne YouTube, hein. Et j'ai toujours dit con. Tiens, c'est incroyable, hein. Sinon, t'as goûté à la bouffe ou pas? Pas encore. Je sais pas s'il y a beaucoup d'options vegan. Alors, j'ai un énorme cerveau, donc je vais pouvoir te dire tout ce qu'il y a en vegan. Il y a un stand ségalais. Ça avait l'air pas mal. Il y a un stand de sandwich au fromage français. Manifestement, c'est pas pour moi. Stand thaï, où là, il y avait du tofu, il y avait des trucs comme ça. Ah, ok. Stand de pâtes fraîches à emporter. Alors là, pareil, pas du tout vegan. Hamburger en VIP, pas du tout vegan. Stand libanais, alors oui, là, il y a des trucs vegan. Stand de hot dog, c'est pas vegan. À mon avis, ça sera pas des saucisses de tofu. Ce serait possible, hein, c'est vraiment dommage. C'est dommage qu'il y ait pas plus d'options vegan, en vrai. Hein. Après, t'as c'est un ramen, mais je sais pas si les ramen vont être vegan. À mon avis, ça va être le même bouillon de viande. En fait, le bouillon vegan, faudrait qu'il le ramène. Vous voyez avec qui je suis, ce que je me coltine. Et on est que le premier jour. Parce qu'il y a les crêpes, t'as oublié. Oui, des crêpes. Mais il y a aussi un stand très breton de spécialité savoyarde. Je sais pas si t'as vu. Tiflette. Bon, en tout cas, voilà, bonne ambiance dans le fest. Moi, pour l'instant, j'aime bien. Moi, c'est mon premier motoc, hein. Je sais pas toi. Tout pareil, je découvre. C'est la première fois qu'ils font ça à Carré. Oui. Bah, j'ai envie de dire, l'organisation est plutôt Carré. De merde. Par contre, tout le monde picole, hein. J'ai envie de dire, tout le monde est rond à Carré, hein. Je me désolidarise. Mais reviens, putain, on s'amuse. Bon, ok, j'arrive. Gauvin, ça allait ou quoi? Hélas. Je ne sais pas si c'est délicieusement kitsch ou délicieusement ennuyant. Sérieux? T'as trouvé ça chiant? J'ai trouvé ça incroyable. Il y a des chansons, je suis en mode... Ah mais il y a vraiment ce côté, alors un peu kitsch, mais tu vois kitsch dans le sens fin années 70, début 80, quand c'était du heavy metal, mais pas encore trop extrême dans le heavy metal, tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, t'as ce côté un petit peu rock-prog qui est emprunté un peu au truc en mode Rush et trucs comme ça. Un peu Deep Purple, tu vois. Franchement, mec, c'était électrisant. Le chanteur, il avait une de ses présences. Mais c'est parce que toi, à la base, t'es pas fan de heavy metal. C'est ça aussi. T'aimes bien le prog, donc le côté prog, ça t'a plu. Voilà. Mais t'aimes pas le heavy metal, donc forcément, le côté heavy metal, toi, t'as rien compris. Pourquoi des chansons catchy qui ressemblent à quelque chose, avec un rythme de batterie qu'on comprend? Pourquoi faire? Tu vois, Gauvin, il est là. Voilà, si c'est pas chiant avec un nom du genre les copeaux de mon âme onirique se brisent, c'est un peu ça que t'écoutes, toi. Des noms un peu comme ça, tu vois. Là, t'as affaire à un groupe qui est à peu près normal, donc je comprends que ce soit pas dans tes cordes, quoi. Trop connu. Et Zylénardor? Ah, je suis parti un peu avant la fin, hein, malheureusement. Zylénardor, forcément, le groupe qui a atomisé les réseaux sociaux avec ce mélange musique noire, du gospel, du black, de l'avant-garde. Ouais, un voilà. Peu. Alors, c'est vraiment un terme, je suis désolé, c'est pas du tout voilà, mais je crois que c'est du négro spirituel, ça s'appelle. Oui, je crois que c'est bien ça, ouais. Le nom voilà. Dit un truc. Et alors à l'époque, il y avait beaucoup plus d'influence black metal. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus c'est presque screamo en fait. On va voir Corner du coup après. Ouais, il m'a filé l'idée, Max, je le suis de bon cœur. Hein. Ce cadavre, je m'en fous. Hein, c'est de la merde, on est d'accord. Je ne connais pas assez pour juger, mais ça ne m'intéresse pas. Ah, moi je juge complètement, c'est un vieux rip-off de Black Sabbath tout moisi. Allez, stand full vegan motocultor pour l'année prochaine quand même. Au moins, tu vois, full végétalien avec deux. Ouais, non, j'allais dire une connerie. Full végétalien, mais avec une merguez, quoi. Hein, on est d'accord, non, voilà. Non, ah, quand même, la bonne viande, la bonne viande, Sandrine Rousseau, tout ça, quoi. On n'est que le premier soir. Yeah.
Du coup, oui, on fait un débrief à froid parce que il y a certains rushs que j'ai filmés qui se sont perdus. Et aussi, ben, parce que on a quelques retours supplémentaires sur le Motoc de la part d'autres festivaliers et festivalières, ouais, dont on aimerait faire part. Voilà, Coroner. Alors toi, je sais que t'as pas trop aimé, mais moi j'ai surkiffé Coroner. D'autant plus que les mecs, ils arrivent, ils ont pas leurs instruments parce que la compagnie aérienne les a paumés. Et ils te claquent quand même le meilleur concert. Ils avaient pris la guitare de Burning Witches. Je parle pas trop fort parce qu'on est plusieurs dans la maison. Là, j'ai terminé avec Coroner et Hatebreed. Coroner, j'ai trouvé ça génial. Alors là, de l'espèce de trash prog. Et puis Hatebreed, bon, le moment un peu mononeurone du festival, quoi. C'est vraiment pas mon truc. Sinon, voilà, j'ai une très bonne première impression. Jour 2 du Motocultor, je suis vraiment très très content d'avoir bien dormi. On est encore le matin, donc je pense que je vais peut-être faire un petit peu de sport. Et je vais essayer de rentrer tôt, même si ça implique de louper les groupes de fin de soirée. Je pense que je vais essayer de me ménager sur 4 jours, histoire d'être bien en forme et vraiment bien profiter de tous les groupes que je vois. Ça sert à rien de tryhard comme un débile, l'essentiel c'est profiter sans non plus m'être complètement minable, parce que sinon je vois pas comment apprécier un festival. J'ai ramené également des élastiques de voyage pour la muscu, et j'ai d'ailleurs tenté une expérience que je regrette pas tant que ça, c'est d'avoir fait une séance de muscu des jambes le matin avant de me rendre sur le lieu du festival. Mais j'étais vraiment apaisé, calmé pour aller en fest, et en plus après une douche je me sentais bien. Si jamais vous en avez l'occasion, faites un petit peu d'exercice avant une grosse journée de festival où vous allez rester debout tout le temps, et vous allez voir qu'en fait ça vous permet de plutôt bien commencer la journée. C'est parti, on va déguster ce magnifique plat falafel, encore avec Gauvin. Ça, Gauvin. Je suis toujours là. Alors, petit bout de falafel comme ça, c'est bon hein. Les falafels sont bons, le riz est bon. Bon, Gauvin, ça va pas du tout. Le houmous, c'est pas ça. Hein. Le houmous est trop acide, mec. Hein. Il a raison. J'ai acheté du houmous en conserve l'autre fois, avec tout le citron, les conservateurs, le E330 là qu'il y avait. Ça avait le même goût. Impossible. Non, non, faut faire du houmous maison, les gars. Déception. J'espère que Gorod fera un meilleur plat de résistance. Transition sur 20, elle est pas mal, j'avoue. Alors, Gauvin, Gorod. Musicalement, c'est très intéressant, hein, mais ça crie trop. Mais t'es vraiment un sale connard de boomer, en vrai. Ferme ta gueule, arrête de dire de la merde, là. C'était vachement bien. Oh, le méchant. C'était génial, gros. T'as vu le mélange d'influences? Oui, c'était... bah musicalement, c'était des fois, incroyable. Tu, hein. Tu te retrouves avec du flamenco bossa nova, puis après, il enchaîne sur un tapping, et puis après, le mec fait un growl. Enfin, c'est n'importe quoi. J'adore. C'est français, tu vois. C'est First Fragment avant First Fragment, en fait. Et les gens comprennent pas à quel point c'est ambitieux de faire ça, surtout quand t'es un groupe français. C'est vrai, c'est vrai. C'est la branlée de A à Z. Psychonautes, moi j'ai bien aimé. Ça fait plaisir. Parce que moi je suis ouvert d'esprit, pas comme toi. En fait c'est hyper immersif, t'es dedans. Bah ouais. Il hein. Y a effectivement le petit côté Amenra qu'on a ressenti pas au début. Ouais. Donc au début ils ont commencé par un vieux morceau, après ils ont enchaîné sur deux morceaux du nouvel album. Ça m'a tout de suite fait penser à du Anathema, du Amenra aussi, parce que je les ai vus en concert, donc il y a beaucoup de choses qui m'y ont fait penser. Le côté très lent, doumesque, avec la voix surtout du guitariste, ouais, qui ressemble un peu. Franchement, très bon moment, et puis bon, l'accent bruxellois originel, quoi. Hein. Ah bah après le concert, on va se faire une petite bière, hein, à côté du merch, hein. On vous attend. Hein. C'est vrai que c'était rigolo. Voilà, on est bien installé dans le fauteuil VIP. Carrément l'impression d'être chez le dentiste, en fait. Alors Gauvin, ta review du fauteuil. Confort. Déluge, évidemment, black metal de ma région, je pouvais pas vraiment les louper. Soutien à la scène locale, et puis en concert, j'ai adoré. De là où j'étais, en tout cas, le son était super. Gold.
Donc Google 2. J'admire énormément la démarche artistique qu'à un moment donné elle parle des agressions sexuelles qu'elle a subies. Ça se sent énormément dans sa musique. Bah déjà au niveau des lyrics, c'est un thème qui est omniprésent. Je trouve ça admirable de transformer un trauma en quelque chose de transcendant, en quelque chose de vachement constructif, de beau, de personnel. Énorme respect à elle d'avoir parlé de ça devant des milliers de personnes qui était pas forcément réceptive, mais par contre, musicalement, eh ben je me suis fait chier, voilà. Enfin... Mais il aime pas la bonne musique, Max, il aime pas les trucs un peu ambiants, qui te laissent, j'allais dire, planer ou quoi. Je sais que toi t'as adoré, moi j'ai pas du tout aimé, je t'avais dit, le côté trip-hop avec la batterie sur pad, là, les deux sons, allez, voire quatre de sons de batterie, j'aimais pas trop, je trouvais que ça ressortait pas trop, en plus le son leur faisait pas vraiment honneur. Les aussi... mettre sur une main stage pour un truc aussi intimiste, c'est un peu bizarre, quoi, je trouve. Ils auraient dû être sous un chapiteau, je pense que ça aurait vachement mieux rendu. Mais par contre, c'était pas non plus une raison pour certains connards de dire des trucs absolument déplacés. Pendant que la meuf parlait de son trauma lié à ses agressions sexuelles qu'elle a subies, t'as un gars qui crie à poil, quoi. Va jouer sur l'autoroute, connard. Alors je me dis, à quel moment, tu vois, tu te dis, c'est une bonne idée, elle parle de viol, je vais lui crier à poil. Je pense que juste le mec sait absolument pas parler anglais, et il voit une meuf sur scène, ouais. Il fait... à poil, la débilité à l'état pur doublée de sexisme, quoi. Enfin, tu vois, y a pas d'autre mot. J'en profite d'ailleurs pour relever un des problèmes du week-end, c'est que sur les 4 scènes, il y en avait 2 sur lesquelles le son était généralement bon, c'est-à-dire les 2 qui sont situées sur la droite quand on arrive sur le site du festival, donc la Bruce Dickinson et la Suppositor Stage. De mon expérience, en tout cas, les concerts auxquels j'ai assisté sur ces 2 scènes avaient un bon son. En revanche, le son était d'une qualité beaucoup plus aléatoire sur les 2 premières scènes. Bon, tous les groupes du genre Gold, Sodom, Birds in Row, il y a eu quand même quelques problèmes de son. C'est vrai que ça dépendait des concerts, je sais pas pour toi, mais je les ai pas trouvés très égaux dans leur qualité sonore. Oui, oui. Certains, c'était très fouillis, d'autres, c'était parfait. Bah après, ça dépendait vraiment. Après, ça dépend de la personne qui a derrière la console. Hein. Des fois, ça peut être un mec que eux ramènent, des fois, ça peut être un mec du Motoc. Il y a eu plusieurs retours comme quoi le public était un petit peu différent. Il y avait pas mal de, entre guillemets, recalés du Hellfest. Apparemment, c'est ça possible. S'est senti. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Parlons que des groupes, c'est ça? Parlons que de musique, hein? Oh oui, bien sûr. En tout apolitisme, évidemment. Hein. Apolitique de droite, n'est-ce pas, hein? T'as oublié le terme. Comme le Hellfest, on est apolitique ni de gauche ni d'extrême gauche, quoi. Hein, voilà. On peut parler d'Hypnose, qui était juste après. Alors toi, t'en as pensé quoi? Ah, c'était très bien. Ouais, moi, ce que j'aime bien avec Hypnose, ben, c'est le côté ambiant. Énormément de références à des films. Donc si t'es un peu cinéphile, je pense que ça peut faire ton bonheur. Mais il y a aussi ce côté start and stop. Non, pas start and stop, ça c'est plus AC/DC. Je dirais plutôt clair-obscur. Sûr, oui, c'est-à-dire, il y a vraiment ce côté ça va être ambiant, ça va être tout calme, ça va être tout mielleux. De l'autre côté, guitare flamenco, là. Je sais pas, post-hardcore, comment tu définis ça, toi? Bah, ça peut être du djent, peut-être post-hardcore. Il aurait plus fallu demander à qui, mais regardez sa chronique, hein. Sur le dernier album, et vous verrez. Pour ceux qui aiment Hypnose, moi je peux conseiller des groupes comme Psygnosis. Du métal, mais pour dormir, mais dans le bon sens, tu vois. Je suis avec Yann, le directeur du Motocultor. Fondateur et directeur, donc ça fait combien de temps déjà, le Motocultor? La première édition, c'était en août 2007. Est-ce qu'il y a un groupe sur lequel tu fantasmes, que t'as jamais fait venir et que t'aimerais? Je pense des groupes comme Judas Priest ou Megadeth, ouais. Ça c'est faisable et ça serait un objectif sympa. C'est faisable, c'est faisable. Ouais, ouais. Ok. Faudra juste mettre deux fois moins de groupe. Non, pas forcément. Il y a beaucoup de gens de mon âge qui voulaient voir Bullet for My Valentine, c'est-à-dire le groupe de leur adolescence. Mon adolescence, c'était pas du tout ça, en fait. Les groupes du Motocultor que j'écoutais quand j'étais ado, c'était plus Carcass, Sodom, Dying Fetus, Napalm Death, et donc je voulais absolument voir ces groupes-là. J'ai pas été trop déçu avec Carcass, qui avait un son correct, ce qui n'était pas le cas de tous les groupes qui sont passés sur la même scène. Alors, j'étais aux anges hein, quand ils ont fait Heartwork. Il y a quelques autres classiques qu'ils ont pas fait, je le regrette un peu, mais c'est pas grave, j'ai quand même passé un très bon moment. Tu ne
Bah, du coup, je me suis dit, allez, je coupe la poire en deux, je vois la moitié d'Aiken et la moitié de Dayside. Alors, toi, t'as pensé quoi de Aiken ? J'étais un peu dubitatif parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont jouer beaucoup du dernier album ? Ils en ont joué que 2-3. Ils ont joué une de Vector, une de Virus, et après ils sont partis sur des plus vieux, genre The Architect. Et ils te disent, j'aime bien. Bon, les gars, on a plus qu'un seul morceau, et il dure plus de 10 minutes. Je fais, ok. La bonne ambiance. J'aime bien aussi, ils ont leur tenue de la tournée, donc avec les sortes de chemises hawaïennes. Chose que je regrette, c'est que eux, pour le coup, ils méritaient une main stage. Gold sur la main et Aiken dans un chapiteau. Je trouve ça un peu bizarre. Ou même Landmarks sous un chapiteau. Bon. Ouais, mais ça, ils méritent. Moi, je suis allé voir Dayside, du coup, après Aiken. Death metal brutal qui m'a bien plu, forcément le petit côté j'ai envie de tuer tout mon public, c'est-à-dire que entre les chansons tu parles pas. Le mec ne parle pas. Tu me le mec ne dit ouais. rien. Le mec s'en va de scène sans rien dire. Incroyable. Un vrai Chad. Voilà, comme on les aime. Pas mélodique pour un sou. Hein. Faut pas rechercher une seule once de douceur dans ce type de zik. J'ai passé un bon moment. Napalm Death, incroyable. Meilleur concert de la journée, je pense. Première 5 minutes de chanson, ils font Welcome Refugees, donc déjà, ça te met dans l'ambiance. No human being can be illegal. No human being can ever be anything close to illegal. Refugees, welcome, friends, refugees, welcome. Ensuite, en plein milieu du concert, ils font Against Fascism, yeah, contre le fascisme, en français dans le texte. Anti-fascism contre le fascisme. Contre le fascisme. Et ça se termine par yeah, fuck transphobia. Anti-trans sentiment is fucking frightening at the moment. Attacking somebody's basic human rights to exist. Fucking think of that just for a second. Des revendications ultra simples, doublées de revendications pas si mainstream que ça. Sachant que les métalleux, c'est pas forcément les premières personnes à accepter la transidentité. Faut une sacrée paire de gonades hein, quand même. Et ils ont fait aussi Youssefer 2 fois, alors ça m'a régalé. Ah oui, ça c'est ce que tu me disais, tu voulais la voir en concert. Ah, ils ont fait les classiques, après ils ont fait Scum, Suffer the Children. À la base, ça a commencé comme du grind revendicatif, mais bon, pas très intelligent dans la compo, on va dire. Ça s'est étoffé, c'est devenu beaucoup plus construit. Quand il y a des groupes comme ça, comme Napalm Death, comme Propagandhi, comme Cattle Decapitation, qui commencent à allier l'utile et l'agréable, moi ça me plaît, tu vois. J'aime bien le revendicatif, mais j'aime aussi la bonne compo, tu vois. J'aime bien le bel art, voilà. Cette année, il y a eu beaucoup de musique un peu traditionnelle parce que justement, ils avaient réussi à inviter Vardruna. Et ben, ils se sont dit, on va essayer d'accorder l'affiche pour inviter un peu plus de trucs dans cette veine. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec Uai, avec des groupes qui n'étaient pas forcément métal et un peu plus pagan. Des groupes aussi comme Sylvain et tout ça, en fait. Ah, c'est chouette, ça. J'ai vu Vardruna, je sais pas comment on dit, et j'en ai rien à foutre. Et c'était vachement bien. Le décor, l'ambiance, les lumières. Je pense que c'était et que ça restera le plus beau décor de ce week-end. Et musicalement, ma foi, c'était assez captivant. Les esthétiques un peu de musique traditionnelle, bon, on va pas se mentir, d'habitude, c'est pas mon truc. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que musicalement, il y a des trucs qui ont bien piqué ma curiosité. Ça partait parfois dans des envolées un peu lyriques, ce qui est surprenant quand c'est une musique qui est censée être un peu chamanique, ambiante, et que ça reste un peu toujours sur les mêmes notes en jouant plutôt sur les textures d'instruments et les rythmes. Voilà, il fait beau, un peu nuageux, il nous reste une heure avant d'aller au festival, donc on va faire un peu de guitare.
Allez, troisième jour du Motocultor. Apparemment, aujourd'hui, ça va être le jour où il y a le plus de monde. Peut-être voir en concert Rectal Smegma et puis ensuite Brutal Sphincter, hein, histoire de commencer très intelligemment. Voir ce que valent ces ramen vegan. Troisième journée, j'avais décidé de commencer très très intelligemment Rectal Smegma et Brutal Sphincter. Voilà, donc les neurones, c'était clairement ce qui manquait. Oh, t'as regardé Pogo vite fait. Hein. Rectal Smegma, j'étais beaucoup plus admiratif de la carrure du chanteur que de la musique d'une manière générale. Ses bras, c'était le double de mes cuisses, quoi. Le mec passe clairement plus de temps à la salle que à perfectionner ses techniques de chant. Parce que ces techniques de chant, on va pas se mentir, elles sont totalement inexistantes. Et d'ailleurs, c'est je soupçonne ce groupe d'être le genre de groupe à faire dans le micro et à ensuite écrire les lyrics. Mais du coup, ce que je ne pensais pas, c'était que j'apprécierais plus Rectal Smegma que Pogo. Tu m'avais dit, t'étais bien surpris, ouais. Ouais, Pogo, les fringues du chanteur, c'était cool. Mélange entre Lucky et Falling in Reverse. Le mec était plutôt stylé. Mais autant le chanteur de Rectal Smegma, il a deux timbres de chant. Mais le mec de Pogo, il a un timbre de chant. Un seul. Je sais pas, musicalement, c'était vraiment pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques projets comme ça, un peu, j'allais dire, rap. Bon, Pogo, je sais pas ce que c'est. De la trap hardcore, je sais pas quoi. Avec un rap, mais avec du chant uniquement saturé, bon ok, pourquoi pas. Ça a l'air d'être la mode chez les métalleux, d'ailleurs il y a un autre groupe dans le même style qui est passé le même jour je crois, c'était Scarlord, mais moi ça me parle pas du tout. Bon déjà le fait que ce soit pas mélodique pour un sou, c'est une chose, je suis tout à fait capable d'écouter des groupes pas mélodiques, mais je sais pas moi, le combo pas mélodique du tout plus pas de musicien pour jouer la musique, ça a tendance à assez vite me saouler en concert. J'ai trouvé ça très monotone, bon le chanteur-rappeur il a un timbre de voix, et comme c'est pas du tout mélodique, si on n'est pas connaisseur, on a très vite tendance à trouver que tous les morceaux se ressemblent, donc vraiment pas ma cam. Bon, ils ont quand même allumé le public, hein, donc on voit qu'il y a du répondant, mais j'étais vraiment pas la clientèle. Du coup, ensuite, c'est la doublette Sylvain-Brutal Sphincter. Deux salles de ambiance, là. Alors, j'ai commencé par Brutal Sphincter, je me suis dit, j'ai essayé de rester un quart d'heure, ce qui n'était pas de tout repos. Ce qui m'a déjà fait marrer, c'est que les mecs, ils arrivent, ils ont leur backdrop à l'envers. Musicalement, c'était pas tellement dépaysant par rapport à Rectal Smegma. J'ai un peu plus apprécié que Rectal Smegma. Petit côté un peu plus construit. Ils font les lyrics avant de faire les morceaux, ce qui est quand même déjà un bon indicateur qualité. Et ensuite, bah, il y a eu Sylvain. Moi, j'ai personnellement adoré. Ah, c'était bien. Hein. Les jeux de lumière et tout, moi, j'adorais. La voix de cette meuf, super prenante. Il y a un côté vraiment simple dans la construction des compos, le flow, etc. Les riffs. Elle va beaucoup plus se concentrer sur l'instauration de l'ambiance. C'est diable efficace. Pose black, ambiant, on sort du domaine musical, mais un truc qui m'avait choqué, c'est le fait que cette meuf a l'air d'avoir fait une cure de jouvence éternelle. Ah oui. Je croyais qu'elle avait 18 ans, moi. Hein. Elle est plus vieille que nous, quoi. Moi, c'est pas trop dur, mais toi, c'est un peu plus déjà. Hein. Ah bah oui, je commence à être un daddy, moi. Je suis allé voir Not Scientists après. Non, je suis pas allé voir ça parce que c'est pas des scientifiques. Je comprends, t'as pas confiance. Tu fais venir un groupe comme Thank You Scientist, voilà, là, moi j'y vais. Tu vois, parce que les mecs sont pas ingrats. T'étais là pour Coil Guns? Ouais, ouais. C'est un sauvage, le chanteur. Il saute partout, il se viande partout, il grimpe partout. Il a grimpé sur les 2 mètres de retour. Et les mecs de la sécu, ils avaient pas prévu ça, ils étaient en sueur tout le long, quoi. Ils roulaient par terre et tout, les mecs, ils avaient peur qu'ils tombent de la main stage par terre, tu vois. Ah oui? Moi, je croyais qu'il allait mourir hein, pendant le concert. Leur réputation les précède, Coil Guns, sur le bordel que c'est. Yeah.
Birds in Row, là il y a des trucs à dire. Là, moi je voulais parler du côté extra musical sur Birds in Row avec toi. Okay, on les avait vus au Post in Paris avec Hakim, ils ont une bonne énergie et tout. Après on peut parler de l'extra musical si tu veux. Moi je m'attendais à des discours plus salés de la part de Bart. Il en a fait un petit. Oui mais il est tout petit par rapport à ce qu'il nous a fait au Post in Paris. Je pense qu'au Post in Paris il a plus pris ses aises dans le sens où il savait qu'il était en, entre guillemets, un endroit un peu plus safe que le motoc. Ils avaient quoi, 40 minutes devant eux, ils se sont dit bon allez on torche ça vite fait mais on en place une bonne quoi. Il parlait de safe place pour les femmes, les personnes queer et personnes racisées. Il a sorti le bingo des trucs qui énervent les métalleux à politique de droite. Moi j'ai vu des gens applaudir mais il paraît qu'il y avait pas mal de doigts d'honneur levés. Mais à un moment donné tu vas pas voir un concert de Birds in Row pour ensuite t'étonner que c'est politique. C'est comme les mecs, j'ai vu des commentaires sur la page du motoc. Franchement les discours de golem gauchiste pendant Napalm Death, mais connard, tu connais pas Napalm Death? Napalm Death, ils sont connus pour ça, ça fait 40 ans, et tu t'étonnes que c'est un discours de gauche, mais frère, va crever en fait. Non mais imagine, attends, moi je vais à un concert de KPN, et puis je fais, oh franchement, il y a des saluts nazis, c'est pas bien, hein. Bah évidemment, c'est KPN, connard. Sauf que moi, je suis pas suffisamment con pour y aller en fait, pour ensuite me plaindre. Bah t'es de droite, bah oui, je te conseille pas d'aller à un concert de Napalm Death, voilà, ça risque de pas trop te plaire, désolé. Alors je suis avec Alex. Alex, alors Alex, qu'est-ce que t'as pensé de Birds in Row? Est-ce que tu connaissais le groupe avant? Ouais, je connaissais le groupe avant. En fait, c'est un groupe que j'écoute dans le train quand je vais au boulot, donc pour m'accompagner dans ma déprime quotidienne. Et c'est un groupe qui me touche. C'est très simple, mais c'est ultra efficace. Je dirais en point négatif qu'on n'entendait pas assez la voix, pour être tout à fait honnête. Je suis tout à fait d'accord. Donc, tu définirais comment ce style un peu? C'est quoi? C'est du post, hardcore? Je le comparerais à un groupe qui s'appelle Defeater. C'est un peu le même style. Après, j'ai pas forcément de nom à poser dessus, mais je dirais c'est mélancolique bizarrement. Et donc toi, quand tu vas au boulot, pour te remonter le moral au travail, t'écoutes Envy, Birds in Row, ce genre de conneries quoi. C'est un peu ça. T'es d'accord qu'à la fin le but c'est de pas se suicider quand même? En fait bizarrement ça t'aide de savoir que quelqu'un souffre comme toi. Tu vois, il y a un peu cette idée là derrière. Je suis pas seul avec un boulot de merde, c'est bon, on y va les gars. Est-ce que tu penses que si tu bossais dans des mines de charbon, ce serait aussi ce groupe là ou ce serait un groupe un peu plus dark? Decide c'était pas mal. Bon, on a vu un mec se faire un massage cardiaque au milieu du pit, donc c'était un peu surprenant. Ah, mais il est décédé, ressuscité, il est sorti vivant. Et ça c'est un truc que vous pouvez voir qu'en concert de Decide, j'ai l'impression. Très bien. Il est vraiment sataniste, hein, on est d'accord. Je pense que lui, le matin quand il va au travail, il écoute pas Birds in Row quoi. Non, lui, quand tu sens que le gars il a une certaine volonté de te nuire. Je pense qu'il aime pas la musique, qu'il écoute rien. C'est possible. Alors moi je comptais voir Brutus, et comme je t'ai dit, Sortilège pour la cinquième fois. Ils ont dit qu'apparemment il y a un nouveau line-up, tout ça, alors... Ils vont te la mettre encore. On sait très bien comment ça va se passer. Alors on est avec Andy et toi? Alan. Alors ce concert de Sortilège? Bah écoute, c'était franchement pas mal, comme t'as dit, audacieux avec les nouveaux morceaux, mais il n'y avait pas eu mort pour une princesse. T'en pensais quoi Alan? Ça aurait été mieux si j'avais pas joué le dernier album. Alors moi je vais pas être d'accord avec vous parce que j'ai trouvé ça absolument génial. 5 fois que je les vois, la 5e c'est la bonne. En fait il y a 4 ans je pense qu'ils ont eu plein de difficultés et on les a propulsés direct au devant de la scène alors que c'était un moteur qui s'était pas chauffé depuis 25 ans. Donc à mon avis on leur a mis trop sur les épaules. Et là en 4 ans ils se sont pris un bon line-up et ils ont fait un nouvel album pour consolider le line-up je pense. Et alors moi je suis pas d'accord avec vous parce que je trouve que les nouvelles compos elles marchent vachement bien en live. Attila, les trucs comme ça, tous les gens chantaient quoi. Bizarrement c'est toi qui as le jugement le plus favorable. Mais sinon le fait ça se passe comment pour vous? Mais Ice Peak c'était très très bien hier, on a c'est beaucoup aimé ouais. Metal. Et qui a le plus déchiré. Cryzix, c'était super bien. Déjà vu Cryzix et je peux confirmer que c'est bien en live. Concernant l'organisation du fest, c'est quoi votre ressenti? C'est mieux que l'année dernière. Déjà l'année dernière, il y a eu énormément d'annulations, il y avait beaucoup de retard dans les organisations, tout ça, je trouve qu'ils ont fait. Voilà, c'est un peu mieux organisé que l'année dernière. Bah merci beaucoup pour votre témoignage. Ah, Sortilège, le grand sujet de la vidéo. 5 fois que je les vois, et la 5e fois, c'est la bonne. Allez voir Sortilège en live, c'était génial. Et ça, c'est de la part d'un mec qui vous disait de plus jamais aller les voir il y a 4
4 ans. Hein. C'est pour vous dire à quel point c'était convaincant. Tout le monde était en train de râler parce qu'ils avaient fait plein de morceaux de leur nouvel album qui est sorti il y a pas longtemps. Mais moi, je vais vous dire, je défends ça. Je trouve que c'est extrêmement courageux de leur part et ils ont bien raison de le faire. Tout simplement parce qu'ils ont un nouveau line-up. C'est pas l'ancien sortilège, c'est le nouveau sortilège. C'est des putains de musiciens, il y a des putains de compositeurs dans le lot et ils ont fait des featurings qui sont extra. La chanson Les Portes de Babylone en featuring avec Myraf, mais pff, moi j'ai trouvé ça super. Et on sent qu'ils ont fait un nouvel album pour consolider le line-up en live. L'alchimie était vraiment présente. Et j'ai beau ne pas vraiment accrocher au dernier album, comme pas mal de gens, et ben je suis obligé de vous le dire, les nouvelles compos, elles marchent du tonnerre en live. On avait un Christian Zouille-Augustin qui était en super forme, qui a retrouvé ses capacités vocales, bon, qui chante un petit peu moins haut qu'il y a 30 ans, mais bon, ça c'est normal. Et on avait la bonne humeur tout le temps, les mecs se souriaient, c'était dynamique. Tu sens que c'est vraiment un groupe solide avec des gens qui kiffent être sur scène et qui font super bien le taf. Donc, moi je vous le dis, la prochaine fois que vous voyez Sortilège en tête d'affiche dans n'importe quel fest, eh ben allez-y parce que vous allez passer un super bon moment. Et moi je les soutiens totalement dans la démarche de faire de nouveaux morceaux en live et d'aller de l'avant. Donc arrêtez de faire les boomers mentaux à vous accrocher au titre de Sortilège d'il y a 35 ans. Sortilège, ce sont des artistes. Ils vont de l'avant, ils ont bien raison. Essayez de vous intéresser à ce nouvel album, au moins en live. Vous verrez qu'il y a des trucs hyper intéressants et catchy. Et que ça vaut le coup. Bah, il se trouve que le Motoc, cette année, on voit qu'ils font quand même des efforts. On sent que la communication, elle est beaucoup plus ouverte qu'au Hellfest. Où le Hellfest, c'est carrément des gros creeps qui vont jusqu'à stalker des meufs qui font des témoignages, tu vois. On se demande s'ils les menacent pas en privé. Bon, ça, je vais pas le dire parce que j'en sais rien. Mais des fois, on se demande. Le Motoc, vraiment, eux, ils disent, on va faire de notre mieux, on est vraiment désolé si vous avez pas passé un bon fest, mais voilà, on va faire de notre mieux pour que ce soit un safe space, pour que les concerts se déroulent sans encombre, machin. Après, j'en reparlais avec un pote, on était un peu dubitatif là-dessus, parce qu'ils ont pas fait de post, ils ont fait que des stories. Hein. Merde, tu pouvais faire un post, tu vois, à la vue de tous quand même, quoi. Ouais. Au moins, ils en parlent. Mais je veux dire, même le Hellfest s'emmerderait pas à faire des stories. Mais on sent qu'en fait, le Motoculteur, cette année, ils ont invité plein de groupes assez militants, plein de groupes avec avec des meufs trans. Tu sens, c'est pas que de la parlotte. Mais le truc, c'est que le Motoculteur, c'est 54 000 personnes. Il y a énormément de gens qui viennent d'un public beaucoup plus généraliste et qui n'étaient pas forcément prêtes à se prendre ça dans la tronche. Bon, évidemment, j'ai envie de parler des prix exorbitants, mais avec l'inflation de ces dernières années, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Moi, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé dans un aussi gros festival. Et il y a certains prix, mais j'ai halluciné. Le Hoodie Ice Peak à 85€, non mais ça va pas la tête ou quoi? C'est un pull avec une capuche quoi, 85 balles. J'ai toujours du mal avec ce concept qui fait que la renommée va automatiquement faire doubler le prix d'un putain de vêtement. 40 balles le t-shirt Vardruna, non mais... Globalement, ouais, c'est vrai que c'était un peu du foutage de gueule. Après, je me dis que avec l'inflation, je pense qu'il faudra malheureusement s'habituer à ce niveau de prix dans à peu près tous les festivals. C'était super, moi j'ai adoré. J'avais connu à l'époque des podcasts de Evisteric, parce qu'il y en a une des deux qui est très fan du groupe, et j'ai adoré cette ambiance assez simpliste, mais toujours avec des progressions d'accords ultra efficaces qui font qu'on est tout de suite dedans. La batteuse, elle a une énergie de fou, et elle arrive à chanter en même temps, et juste, je sais pas comment elle fait pour pas être épuisée après le premier morceau, mais en tout cas, vraiment excellente expérience, et un groupe qui, au moins, avait un super son sur cette scène. Oh, regardez-moi cette petite coquine qui n'attend que d'être mangée. Ah, cette pâte nappée d'huile d'olive cuite à la perfection. Pas de fromage, pas de sel. Juste le goût incomparable des légumes du soleil. Les olives, les oignons rouges, la sauce tomate concentrée. C'est l'extase. Alors les gars, ça va ou quoi? Ça, oui. Alors, super. Comment vous appelez? Alors moi c'est Jim de Brutal Sanctar. Léo, du coup. Attends. Ah oui, merde, mais putain, mais oui. Mais oui, je l'ai pas reconnu, mais oui. Le backdrop à l'envers m'a beaucoup fait rire. Merci beaucoup. Hein. C'est devenu une tradition depuis quelques temps. Je me demandais si vous aviez fait exprès ou pas. Oui, si ouais, d'accord, parce qu'en fait, je me suis dit, si ça se trouve, ils ont pas fait exprès, c'est arrivé comme ça, et après ils se sont dit, bah les couilles frères, c'est drôle quand même. Mais en fait, c'est complètement arrivé de cette façon-là, on a fait un...
Je sais pas pourquoi j'étais sûr que c'était comme ça, tu vois. Plus que ça. Toi, tu t'appelles comment en fait? Bah, moi, c'est Titi. Voilà. Titi? Titi. Ah, Titi. Ou Thibaut, ou Titi. Bah, le light de Brutal 5 Terre. Le festival, ça se passe comment? Le son, vraiment cool. L'ambiance, le public, etc. Au top. Moi, tu vois, je passe un bon moment. J'ai l'impression que l'orga est vraiment bien. Et il y a plein de gens qui me disent: oh, attends, gros, moi j'étais dans l'orga, c'était de la merde et tout. Je me suis dit: attends, est-ce que c'est moi qui vois rien? Ou est-ce que cette année, je suis bien tombé, il n'y a rien à voir en fait? Cette année est particulièrement une bonne année comparée à l'année antérieure que moi j'ai faite. Sodom, bien sûr, ça c'est un des groupes de mon adolescence que je voulais absolument voir. Et en fait, j'ai été un petit peu déçu quand même. Déjà, la setlist, bon, bah c'était old school, hein, ils ont joué les classiques. Mais c'était un peu trop old school pour moi. Franchement, j'aurais bien aimé certains de leurs titres un peu plus récents. J'avais adoré City of God. Le morceau Resurrection, il est tubesque. Et putain, le mec, il l'écrit pour la mort de son père. Il le joue même pas en live. Et puis le classique Fuck the Police, c'est comme ça que je les ai connus, moi. Après, là, on a eu droit à un set vraiment old school de chez Old School, parce que il me semble déjà que c'est les 40 ans du premier album, et puis aussi je pense qu'ils devaient préparer leur setlist pour le Keep It True, et le son aussi qui était pas terrible, ça les mettait pas en valeur pour le coup, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette scène il y avait quand même pas mal de problèmes. Vatain, c'était génial, le son était agréablement audible pour du black metal, la mise en scène incroyable, bon bah, malheureusement je me suis barré un petit peu avant la fin. Vous l'aurez deviné, je déteste le concept avec le sang de porc que le chanteur balance dans la gueule des gens. Je pourrais donner comme argument le fait que c'est dégueulasse, mais bon, on est face à des gens qui vont clairement pas se laver pendant 4 jours, donc ils en ont rien à foutre. Mais bon frérot, le porc il a rien demandé. Si tu veux un truc black metal, mais tu demandes à toute ta communauté de fans de t'envoyer des fioles de sang, et ensuite tu leur rebalances leur sang dans la gueule. Ça c'est badass. Probablement un petit peu illégal aussi, mais bon, soit tu fais du black, soit t'en fais pas, quoi. On va en parler de la sécurité. Tiens, d'ailleurs, je te propose qu'on en parle maintenant. Moi, il y a des trucs, tu vois, la sécu, je trouvais que c'était un peu olé olé, quoi. Premièrement, je sais très bien que les gens de la sécu sont pas là pour faire causette ou pour faire copain-copain. C'est pas non plus une raison pour avoir insulté ouvertement plusieurs de mes potes pour le plaisir. Les fouilles à l'entrée du festival étaient totalement aléatoires, j'ai jamais rien compris à ce putain de fonctionnement. Ça, c'est un stabilisateur, c'est un truc que j'emmène à tous mes festivals pour pouvoir filmer avec mon téléphone. À ne pas confondre avec une perche à selfie. La perche à selfie, c'est extensible, ça, ce n'est pas extensible, ça fait juste 30 cm et ça se tient comme ça, c'est tout. À partir du troisième jour du festival, on m'a cassé les couilles en me disant « Non, non, mais ça, c'est une perche à selfie, vous n'avez pas le droit de rentrer avec. » Alors que je suis rentré sans aucun problème les deux jours précédents et que c'était la même personne qui m'a fouillé, sachant que je l'ai tout le temps dans la main quand je me balade avec. Donc frérot, je suis désolé, mais pour pas l'avoir vu les deux premiers jours, sans te manquer de respect, est-ce que tu trouves pas que c'est un tout petit peu con quand même? Bon, heureusement que l'incohérence ne tue pas, sinon t'aurais été dans la rubrique nécrologique le lendemain. Je leur montre que c'est pas une perche, c'est un stabilisateur, donc j'ai le droit de venir avec ça sur le site du festival. Ouais. Bon, très bien. Mais du coup, en allant sur le festival, 5 minutes après qu'il m'ait emmerdé avec mon stabilisateur, je retourne vers la meuf et je lui dis « Pourquoi vous interdisez les perches à selfie, en fait ?» J'avais de la suite dans les idées quand je lui ai posé la question. Et elle m'a dit « Ah, mais vous comprenez, bah, c'est un objet contondant, ça peut être utilisé comme une arme, et puis bon, bah, quand c'est tendu pendant un concert, c'est un peu gênant pour les autres. » Et là, je lui dis « D'accord, alors pourquoi il y a un mec qui se balade avec un drapeau breton et une perche en métal de 4 putains de mètres dans tout le festival depuis 3 jours? T'interdis tous les objets contondants, t'interdis tous les objets en métal, bah frère, t'interdis ça en fait. T'interdis la perche. Ah ouais. Le drapeau breton, je veux bien que tu l'autorises, mais bon, la perche, bizarre, tu vois. Et donc du coup, la réponse de la meuf de la sécu, ça a été de me dire
Ah non, mais ça, c'est le drapeau breton, on peut pas l'interdire. Je te parle pas du drapeau breton. Le drapeau breton, si le mec veut le garder, y'a pas de problème. Mais la perche en métal, tu vas pas me dire que c'est un symbole de la culture bretonne, frère, te fous pas de ma gueule. Qu'on soit clair, je n'ai rien contre le drapeau breton. Et je n'ai rien non plus contre les gens qui veulent à tout prix afficher le drapeau breton partout où ils vont. Y'a pas de problème. Ton petit drapeau breton, tu le prends, tu le mets autour du cou en mode cap, comme Batman, et tu cours partout dans le festival avec, et t'inquiète pas, tout le monde va le voir ton drapeau. Et je suis même prêt à te parier que ça gênera personne. Par contre, quand tu prends ton drapeau et que tu le mets sur une putain de perche de 4 mètres de haut, bah je préfère te dire qu'on a tous envie que ce soit toi qui finisse empalé sur ta putain de perche à la place du drapeau. Et sans déconner, la sécurité, putain, vous nous cassez les couilles pour des perches à selfie de 90 cm que les gens vont sortir pendant maximum 30 secondes le temps de prendre une photo. Mais par contre, un énorme connard avec un gigantesque drapeau qui l'agite partout, qui manque d'assommer tout le monde qui est autour de lui et qui gêne la vue de centaines de festivaliers, pas pendant 30 secondes, mais pendant tout le putain de concert, ça vous dit rien? Non mais vous foutez de la gueule de qui en fait? Le mec a ruiné le concert de Vatain de dizaines voire de centaines de personnes. Il était devant tout le monde avec son putain de drapeau breton, donc devant un groupe de black metal suédois. Frère, ça n'a aucun putain de sens. Et le gars, il agitait son drapeau comme ça. Parce qu'autant une perche à selfie, tu prends un selfie, ça dure 30 secondes, tu gênes les gens pendant 30 secondes. Là, le mec a gêné pendant une putain d'heure, pendant tout le concert. T'avais envie de le frapper, surtout que honnêtement, ça avait pas l'air d'être la frite la plus croustillante de la barquette, si tu vois ce que je veux dire. Le mec avait l'air débile en fait. T'as pas vu son copain avec le drapeau normand sur une perche un peu plus petite le dernier jour? Ah, quel enfer! Du coup, ils étaient deux! En plus, on était même pas en Normandie, quoi. Tu ramènes un bazooka dans le campus, mais tu mets un stickers breton dessus, et là, ils vont dire ah non, on peut pas y toucher. Bon, bah, vous pouvez passer avec le bazooka, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas sérieux. Les règles de sécurité, c'est les mêmes pour tout le monde. Évidemment, ça n'a pas eu d'incidence grave, mais ça aurait pu, en fait. J'estime que la sécurité, c'est un sujet trop sérieux pour se permettre ce genre de fantaisie. Il y avait aussi des interdictions qui étaient assez arbitraires. Il y a des gens qui se sont fait interdire leur petite bouteille de poppers. Et dans ce cas-là, pourquoi tu vends des palettes de poppers dans le metal market de ton festival? J'ai filmé le metal market et j'ai les preuves vidéo. Il y avait des palettes de poppers qui étaient vendues. Il paraît que t'en as certains qui vendaient des patchs de NSBM. Hein, donc bon, pourquoi interdire un t-shirt Burzum quand tu vends des trucs du même style sur le metal market? Il y avait Antique Records, non? Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Hein. Tout ça pour dire qu'il y avait des trucs qui étaient interdits à l'entrée et qui étaient vendus sur le campus. Donc un peu bizarre. Cela dit, je me permets d'embrayer sur du positif avec les bénévoles qui, bien qu'étant selon moi en nombre insuffisant, se sont quand même montrés assez responsables. Il y avait pas mal de maraudes dans les campings, de ce que j'ai compris. Il y avait des bonnes réactions à chaque fois qu'il y avait un signalement. Ça, c'est plutôt cool. Un moment hors du temps. Avec ses gyoza cuits à la perfection, cuisinés dans la pure tradition comme en témoigne le croustillant incomparable de l'extérieur et l'attendrissant moelleux de la farce intérieure, vient s'ajouter la petite sauce aigre-douce, aspergée sur les gyoza de la même façon que Vatain asperge la gueule de ses fans. Moi, j'étais allé voir Kabbalah parce que Deliverance, on les avait déjà vus au Post in Paris. Exact. Ah, j'avais super bien aimé. Petit trio, Doom, un peu occulte, un peu inspiré 70s, avec énormément d'harmonie vocale. Ça, j'ai super bien aimé. Ouais, parce que les trois femmes chantent et... incroyable. Ouais. Elles non plus n'ont pas beaucoup parlé. Non, c'est vrai, il y avait une petite influence des E-Side de ce côté-là. C'était très sérieux au niveau des vocaux et je pense que c'est très rare d'avoir ce genre de synergie entre les différentes voix tout au long du concert. Ensuite, Pleasing. Trio du Luxembourg, très très sympa. Le genre de post-hardcore qui s'ouvre les veines. Le gars, il a fait même un petit aparté en disant « Ne sous-estimez pas, on va dire, le besoin de vous faire soigner ou de vous faire aider. » Ah ouais, voilà. Alors, ça met déjà tout de suite dans l'ambiance. Visuellement, il avait l'air d'être vraiment prêt à s'ouvrir les veines à tout moment ou de chialer sur scène. Des trucs un peu post-hardcore qui donnent envie de chialer. C'est vrai que là aussi, t'en avais pas mal sur l'affiche du Motocultor. On peut apprécier le fait que le Motocultor ait vraiment voulu faire une affiche cohérente. Éclectique, j'allais dire.
Ouais aussi. Ouais. En direct de la scène VIP avec, c'est quoi ton petit nom de là ? Jérôme, pour l'émission Metal Zone, tous les dimanches soirs, de 20h à 23h. Et donc toi, tu m'as dit, t'as déjà fait un motocultor en 2012, donc il y a 11 ans. Ouais, c'est ça. Alors moi, ce que je veux savoir, du coup, c'est ton impression, parce que j'ai recueilli plusieurs témoignages de festivaliers. Ouais. Par rapport à cette édition-là, est-ce que c'est mieux organisé ? Est-ce que tu vois la différence ? La différence principale, c'est clair, c'est l'organisation. C'est super fluide, mis à part vendredi matin, mais je pense qu'ils ont été submergés au niveau de la pose bracelet, au niveau des points restauration, très bien aussi. Bon, après, je suis omnivore, donc j'ai pas de particularité de régime, mais... Voilà ! Voilà ! j'ai trouvé ça même le site assez propre. J'ai discuté avec plusieurs bénévoles. Ils sont mieux gérés, même si je sais qu'au niveau des bénévoles, il y avait eu des couacs avec le motoculteur sur les années précédentes. T'es venu pour quel groupe, toi, à la base ? Alors, vite fait, hein. Get Creeper, Eilas, Cadavar. Ça, c'était les groupes que je voulais voir. Ah bah écoute, je te remercie. C'était Jérôme de Metal Zone, voilà. Émission sur Oxygène. Je sais que c'est bizarre, mais oui, j'adore résoudre des problèmes de maths sur mon temps libre. J'ai eu un cursus post-bac avec une spécialisation en maths, et en fait, j'adore ça. Et du coup, ça m'arrive d'en faire à titre récréatif. Donc par exemple, quand j'avais un petit temps de pause entre deux groupes qui me plaisaient, j'allais dans la salle VIP et j'essayais de résoudre des problèmes de maths. Ce que j'aime bien, c'est que les problèmes sont vraiment innombrables, très diversifiés. C'est beaucoup moins chiant que le sudoku. Je trouve que c'est plus intéressant et enrichissant que de scroller sur son téléphone, parce que moi j'ai à chaque fois l'impression que ça m'aspire le cerveau. Et en plus, ça vous fera économiser de la batterie. Ce qui est génial, c'est que vous avez juste besoin d'une feuille, d'un crayon et de votre cerveau, et vous en avez pour des heures et des heures de fun. Enfin, moi je trouve ça cool de faire ça. Après, vous pouvez faire autre chose qui nécessite un papier et un crayon. Après, c'est vrai que je suis un cas particulier puisque je ne bois pas non plus d'alcool. Je m'ennuie un petit peu plus qu'un mec bourré. World's sexiest bass player, Jared Smith. Get up! La traditionnelle queue pour aller acheter des t-shirts. Alors vraiment, je comprendrais jamais, mais bon, a priori, les métalleux adorent ça. Ils sont comment les ramen et comment le tofu ? Bah le tofu est bon, les ramen j'en sais rien. Il m'a pas laissé manger ce bâtard. En même temps, là c'est toi là, tu ramènes ta fraise là. Tu crois que les catholiques japonais, quand ils vont dans l'église, ils disent ramen ? Ça va être long, hein. Ça va être long. Ouais. J'ai vu un bout de Messa. Ah. C'était vachement bien. Je m'y attendais pas. Une meuf au chant, c'est un peu doumesque. C'est du doum. Mais avec un putain de gratteux. J'ai bien aimé ce qu'il faisait. J'ai entendu que ça tricotait un peu au loin, tu vois. Ça m'a fait venir. Comme une mouche attirée par le miel, tu vois. Ensuite, j'ai vu Archspire, concert le plus drôle du week-end. Ah ouais? Ah vraiment? Tu te rappelles du concert avec Steel Panther? Avec des blagues ultra graveleuses, mais on s'est vraiment fait chier, tu vois. Ouais. Bah là, c'est un peu graveleux, mais c'est de l'autodépression, donc c'est pas sexiste. Et en plus, vraiment, c'était plus marrant. Est-ce que c'est pas eux qui avaient fait un twister dans un pit? Ah, mais ils l'ont refait là! Ils l'ont refait, ils ont mis un twister, donc les mecs ils mettent main sur bleu, tu vois, ou des trucs comme ça. Est-ce qu'ils ont fait un Wall of Death pour conclure? Et juste après, ils font bah, allez Wall of Death, et tout le monde rentre dans les mecs qui font le twister. C'est génial. Mais putain, mec impressionnant par contre. Hein. Ultra tech, alors tu vois bien comment c'est Archspire. Le batteur, c'est un monstre. Il fait des trucs, je savais même pas que c'était possible à la batterie, mec. Le Gravity Blast, j'avais jamais vu ça en vrai dans ma vie. Les gratteux, pareil, vraiment hyper impressionnant. Et puis le flow du chanteur, tu sais. Assez connu pour ça aussi, Archspire. Donc un étalage ultra technique, mais en fait, ils rendent ça moins ennuyeux en déconnant à mort entre les chansons. En fait, c'est un concert de grind, mais en death tech, quoi. C'est très bizarre. Et le chanteur, on dirait Serge Tankian, chauve. Je te jure, il a la même gueule, mais chauve. Beaucoup trop d'informations en même temps, là. Ouais, non mais ouais. J'ai fait le concert de Archspire. Déjà, ça commence, t'as une voix qui dit « Attention, attention, concert de Archspire annulé. » Et là, tu sais que c'est drôle, quoi. Full autodérision, tu vois. C'est beauf, mais ça concerne que, tu vois. Le mec, à un moment donné, il présente le gratteux, il fait « Bon, bah ça, c'est Michel. » Il envoie une dick pic à sa grand-mère sans faire exprès. Ça n'a aucun sens, ouais. Et tu peux trouver ça relou.
t'as le droit de trouver ça relou. C'est pas compliqué d'être beauf sans faire de mal à personne, tu vois. T'es pas obligé de crier à poil quand une meuf parle de son viol. Par contre, techniquement, impeccable, impressionnant de A à Z. Tout était au poil de cul et d'une virtuosité extrême. J'étais venu pour ça à la base et j'étais pas déçu. Ils ont clairement pas volé leur succès. Ensuite, j'avais vu quoi d'autre ? Crowbar. Gros, c'était incroyable. Ah ouais ? Ah bah là, je me suis tellement chié dessus, c'était Crowbar chocolaté, là. Hein. Ah, et en plus, je mange, c'est parfait comme image. Mais tu sais, c'est du sludge, quoi. Donc, un peu Southern, mais avec un son vachement plus moderne et gras, tu vois. Je sais pas si tu connais Black Label Society, un peu ? Si, de nom, seulement. Les riffs de gratte, un peu, comme ça. Oui. Je sais pas les imiter à la bouche, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis vraiment un connard, en fait. Un peu l'ambiance là, un peu l'ambiance down, tu connais ? Oui. Et par contre, le gars, j'ai l'impression que sa barbe, elle grandit de 10 cm par an. C'est le Père Noël, mais qui fait du Southern, tu vois. C'est le Père Noël, mais raciste, qui donne des cadeaux qu'aux enfants blancs. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est une blague. Il fait chier, j'aurais voulu voir Sohen, mais bon, tant pis. Faut te rattraper, hein, c'est exceptionnel. Hein. Ça doit faire au moins 6 fois que je les vois et c'est toujours impeccable, quoi. Là, je vais voir Dying Fetus. Tu vas voir qui, toi ? Eh, Biohazard. Mais viens voir Dying Fetus. Si on va voir Biohazard, les deux, on va pas aimer. Je verrai. Frère, du punk hardcore. Dans quel monde tu aimes ça, toi ? Bah, j'ai une période Agnostic Front, hein. Ah oui, d'accord, t'es un connard, en fait. Dying Fetus. Franchement, j'ai trop kiffé. Tu vois, cette espèce de death metal qui vire sur le death tech. Et t'as des riffs, gros, faut s'accrocher pour les jouer. Hein. Et à côté, il y a ce côté hardcore qui va vraiment te casser les cervicales à force de faire du headbang. Cette espèce de riffing un peu neuneux, mais diablement efficace, mélangé à du death qui vire parfois sur le death tech. C'est assez unique en son genre, je trouve, Dying Fetus. Ouais. Est-ce que toi, t'as encore une appréciation générale à faire sur le fest ? Pour moi, il manque un point d'eau et un point sanitaire en plus sur le campus. Vu le nombre de gens qui attendent et tout, parce que bon, voir une dizaine de mecs qui pissent devant l'entrée VIP ou quand tu sors, tu les vois tous, leur bite à l'air devant toi, sympa quoi. Vous pouvez aller au shot s'il vous plaît. Non, mais surtout, le pire c'est qu'au coin VIP, je sais pas si t'en as vu, mais t'as des enfants et tout, donc quand ils veulent voir les concerts, qu'est-ce qu'ils voient ? Bah, les 10 mecs qui sont en train de pisser, la bite à l'air devant eux quoi. Et je me suis barré après Dying Fetus parce que je voulais me lever très tôt pour filmer le Macumba, donc l'espèce le de fameux petit bar qui a été mis à disposition du festivalier. Les horaires c'était genre de 2h à 6h du mat. C'est un peu le cœur de l'ambiance des festivaliers hors concert. Perso, moi je préfère dormir que de voir ça, mais bon, passons. Moi je préfère dormir tout court, hein, mais je me suis dit, allez, je dors, je me lève à 4h, 4h30 du mat, et je y vais. Franchement, se lever à 4h30 pour aller voir des gens bourrés, c'est ce que j'appelle le métier, là. Et du coup, ça t'a vendu du rêve ou pas, ce Macumba ? Bah, c'est un chapiteau noir et rose dans lequel il passe de la zik. Oui. Des fois, tu vas avoir Garou feat Céline Dion. Des fois, tu vas avoir du Kyo. C'était assez random. Mais bon, tu vois bien que c'est bon délire. Mmh. Les gens ont l'air de juste faire une after, quoi. Ça a été vendu comme un after, hein. En tout cas, ce que je trouve intelligent de la part du motocultor, c'est d'avoir fait une espèce de d'after avec le Macumba tout à l'entrée du camping, au lieu de le mettre au milieu du camping pour emmerder tout le monde, ils l'ont mis vraiment à l'entrée. Ça concentre vraiment tous les fêtards d'un coup. Ce qui fait que les gens, à une certaine distance de ce truc-là, bah, ils sont plus ou moins au calme, en fait. T'entends vite fait en fond, mais ça t'empêche pas de dormir. Et du coup, ça permet vraiment de concentrer les relous, les mecs qui crient apéro. Ce qui n'était pas le cas quand on était allé au Hellfest, rappelle-toi. Oh putain, ça c'était... ils étaient partout eux. Ah, c'était l'enfer, c'était l'enfer sur Terre. Hein. Je ne comprends pas ces gens. Bordel de merde, quoi. Je pense que je vais le dire dans mes vidéos encore, mais j'ai passé un bon fest, mais parce que j'ai bien dormi, j'étais au calme, je me douchais, j'avais des toilettes. Papier toilette et savon, gros problème du fest, hein, sur le camping ou sur le festival. Hein. Moi, je donne mon point de vue de festivalier VIP qui a eu un logement. Donc, les expériences que j'ai eues en commun avec les autres festivaliers, c'était les concerts, la vie un petit peu au sein du festival, mais hors camping. Moi, les trucs qui m'ont marqué, c'est les transphobes sur Psychotic Monks, par exemple. Oh, c'est rigolo, le mec, il est déguisé en meuf. Ça, c'est chiant, tu vois, parce que vraiment, dans le métal, en plus, ça arrive très souvent. Faut savoir quand même que les mecs
transphobes qui se foutent de la gueule des autres. Des fois, c'est des fans de Twisted Sister et d'Alice Cooper, quoi. Alice Cooper et Dee Snider qui eux-mêmes sont transphobes. Alors, non, mais alors là, vraiment, du foutage de gueule, hein. Non, c'est mais vrai, en plus. Putain, je viens de retomber sur les nouvelles interviews, là. C'est vrai, en plus, qu'ils sont transphobes. Mais oui, c'est débile. C'est n'importe quoi. Frère, tu t'es habillé en meuf pendant 40 ans. C'est limite ton gagne-pain de t'habiller en meuf. Donc, faut pas se foutre de la gueule du monde à un moment donné. En tout cas, moi, je trouve ça admirable que le motocultor fasse venir des personnes queer, trans, etc. T'avais des stickers partout sur le consentement, sur la transphobie. C'est vrai que t'en avais plein, tu sens que... Alors encore une fois, ça c'est notre avis de ce que nous on a vu. Le motocultor fait quand même plus le taf que le Hellfest. Bon, après le Hellfest, j'y suis pas retourné hein, depuis un moment. Non, mais moi non plus. Mais tu vois, le Hellfest, c'est vraiment... Oui, oui, non, mais nous on est tolérants. Mais en fait, ça se voit jamais. Et le motocultor, tu vois quand même qu'il y a des trucs. Qu'il y a des bénévoles, des équipes de bénévoles qui font le taf. Tu vois que la com du motocultor, quand on dit qu'il y a eu des trucs qui sont pas ouf, tu vois, ben eux ils disent on est désolé, on a bien pris en compte, on va faire notre mieux, machin. Si ils sont pas comme le Hellfest en mode non, mais de toute façon il s'est rien passé, on est allé voir les médecins qui l'ont examiné sa chatte et les médecins ils nous ont rien dit. Oui, putain, oui, j'avais oublié. Tu te rappelles de ça, mais c'est ultra creepy. On a vu les caméras de surveillance aux horaires qu'elle nous a dit, on a rien vu, lol, elle ment. J'ai interviewé quelques personnes dans le festival, la plupart de ces gens s'accordaient à dire quand même qu'il y avait un gros effort qui a été fait sur l'organisation cette année, que c'était beaucoup mieux que les années précédentes. Il y a eu des petits cafouillages à l'entrée au niveau de la file d'attente. Le vendredi, la file d'attente était énorme. Ah non, mais il y avait plein de problèmes d'affluence. Ouais. La circulation dans le fest était super fluide à toute heure de la journée. Ouais. À aucun moment, et pourtant, Gauvin, tu le sais, hein, on est autiste limite agoraphobe. On n'aime pas du tout la promiscuité. Moi, en tout cas, ça me met extrêmement mal à l'aise. Et c'est pour ça que j'avais pas du tout apprécié le Hellfest et que toi non plus, d'ailleurs. Moi parce non plus, que ouais. À un moment, je crois que c'était le samedi ou le dimanche, on pouvait même plus circuler, même quand c'était très loin de la scène. On pouvait plus circuler, c'était infernal. Non, mais c'est vrai qu'en deux minutes, passer d'une scène à l'autre, alors qu'au Hellfest, fallait prévoir un quart d'heure facile. Quand il y avait deux groupes qui passaient en même temps que j'aimais bien, j'ai pu regarder la moitié de l'un et la moitié de l'autre. Au Hellfest, c'est impossible. Ouais, est-ce qu'on peut dire, Gauvin, est-ce que t'es d'accord avec moi? Le motocultor, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle un gros festival. Le directeur, moi je l'ai trouvé très sympathique, mais il y a un truc qu'il a dit sur lequel j'étais pas trop d'accord, c'est de me dire que son festival est à taille humaine. On est sur du 50 000 personnes sur 4 jours avec plus de 100 groupes. 15 000 la journée. Voilà, est-ce qu'on peut encore parler de festival à taille humaine? Je pense qu'aussi, on est un peu tous matrixés par le fait que le Hellfest soit immense. Là, le motocultor, c'est un sixième du Hellfest en termes de fréquentation, un tiers du Hellfest en termes de nombre de groupes. C'est une fraction du Hellfest, mais c'est gigantesque quand même. Je trouve pas que ce soit une mauvaise chose que le motocultor soit un gros festival. Attention. Il y a des petits festivals, il y a des gros festivals un peu plus généralistes. Je pense qu'il y a une démarche concernant l'organisation qui est beaucoup plus louable qu'au Hellfest, dont j'ai de plus en plus de mal à respecter les principes. Avant, j'avais rien contre les organisateurs et je sais pas avec les différents scandales qui ont eu lieu, avec les différentes attitudes que l'organisation a pu avoir et les raisons pour lesquelles Birds in Row n'est pas venu au Hellfest d'ailleurs. J'ai de plus en plus de mal à voir le Hellfest comme quelque chose de bienveillant et je pense que on frise quand même les comportements mafieux à partir du moment où ton dirlo il commence à taper dans la caisse. C'est bon quoi, ouais. on a compris hein, Ben Barbouze quoi là. Taxation. Ça tape dans la caisse, ça fait les espèce de mafioso en essayant de faire pression pour essayer d'avoir des informations sur la meuf qui aurait fait un bilan médical après son viol. Enfin, gros, vous êtes des malades, en fait. Ça invite Marceau, ça repartage du Zemmour. Bon, tu vois, ça commence vraiment à avoir une ambiance que j'aime pas du tout. C'est à des années-lumière de cette espèce de mythe de la grande famille qu'ils essayent de te vendre à toutes les sauces. Alors que le motocultor, il n'y a pas cette vibe-là, tu vois. Tu sens que l'ambiance, c'est pas du tout la même. Moi, j'ai l'impression que le motocultor est un endroit plus bienveillant que le Hellfest, à bien des égards. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, pour ouvrir un petit peu le débat, je pense que le motocultor doit faire attention à son changement progressif de clientèle. Je pense que t'avais pas mal de gens qui s'attendaient pas forcément à une programmation aussi engagée. Il y avait un peu une dissonance parfois entre le public et les groupes, comme on en a parlé tout à l'heure, avec Birds in Row, Napalm Death. Je pense qu'ils affirment encore plus leur positionnement, leur identité, et je pense que je suis d'accord. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que le motocultor n'ait plus de succès.
Là, clairement, ils sont bien partis pour être de plus en plus gros. Ou du moins de plus en plus important. À l'avenir, il faudra être plus vigilant sur la sécu. Des gens 100% de chez 100% sérieux, je pense que c'est mieux. Plus de bénévoles. Oui. Et puis, s'ils ont un positionnement politique, ben, très bien, mais dans ce cas-là, faut l'affirmer à 100%. Si tu veux pas avoir de nazis dans ton fest, ben... Tu fais comme le Rockin' Bourlon, tu mets plein d'affiches en disant « Vous êtes pas les bienvenus, cassez-vous ». Petit bémol, pas de stand full vegan, dommage. Moi, j'aurais bien aimé apprécier une bonne crêpe. C'est bien aussi d'avoir un stand vegan qui va peut-être te faire des spécialités que tu vois pas tous les jours, genre des crêpes bretonnes, mais version vegan, parce que c'est tout à fait faisable. Hein. Et puis, ce qui me manquait, c'était un bon burger avec un steak Beyond Meat bien dégoulinant de gras, tu vois, comme ça. Ça, ça aurait été magnifique, tu vois. Ça, c'est des idées hein, que je balance, le motoculteur en fera ce qu'il veut. Bah, écoute, mon cher Gauvin, merci à toi de m'avoir accompagné pour ce débriefing. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vloguer en ta présence. C'est gentil, merci. Petite pub, hein, évidemment, parce que toi, t'as une chaîne YouTube qui s'appelle Chronique Metal. Alors, Gauvin est un fan de post, de prog, et donc, il a fait un report du Post in Paris, qui, cette année, était super. L'affiche, en tout cas, elle me donnait bien envie, j'ai pas pu y aller. Et il y a également ce format phare qui te caractérise, c'est le rock à dodo, où tu parles de... Trois groupes. Ouais, c'est qui ça. Donne envie de dormir. Tu en parles avec un petit peu une voix ASMR comme ça. Oui. Allez vous abonner, c'est du bon travail et c'est sympa pour s'endormir la nuit. Du coup, ben Gauvin, je te dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour conclure, je dirais mes impressions du Motocultor. J'ai passé un très bon fest, mais comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, j'ai été VIP, donc j'ai pas fait la queue. Et puis j'ai été logé, ce qui m'a permis d'être au calme, de pas subir les éventuels désagréments du camping, et de ne pas vivre au milieu d'un tas de beaufs alcoolisés, ce que j'avais évidemment détesté au Hellfest. Les points positifs pour moi, c'est évidemment la programmation que j'ai trouvée dans son ensemble purement géniale. L'organisation que finalement je trouve pas si dégueu hein. Pour moi le seul organisme qui a vraiment couillé c'est la sécurité, et la sécurité c'est même pas le Motoc, le Motoc a juste payé un organisme de sécu. Les bénévoles, alors les bénévoles c'est vrai qu'a priori ils étaient en sous-effectif, moi j'ai entendu quelques régisseurs de bénévoles, mais globalement ceux que j'ai vus faisaient bien le taf, donc ça c'est cool. Quatrièmement, et je sais que là il y a des gens qui vont pas être d'accord, moi j'ai adoré l'ambiance dans le festival, pas dans le camping, parce que le camping bon j'y suis pas vraiment allé sauf le dernier jour. Et cinquièmement, évidemment, l'espace du site qui a permis à tout le monde de circuler sans encombre, et ça, c'était tellement agréable. Les points négatifs, maintenant, bah, déjà, le son qui était de qualité assez inégale, j'ai trouvé, et apparemment, je suis loin d'être le seul. Deuxièmement, évidemment, le gros manque de sérieux de la sécurité, ça, c'est vraiment pour moi le point le plus inadmissible. Je pense que le Motocultor a des règles qui transmet à la sécurité, et que la sécurité doit juste faire son boulot en fermant sa gueule, en fait. Troisièmement, bah, les sous-effectifs apparents en termes de bénévoles et en termes de sécurité. Quatrièmement, l'hygiène sur le festival. Moi, évidemment, moi, j'avais un logement, donc j'avais une douche, j'avais des toilettes. C'est aussi pour ça que j'ai passé un bon fest. Mais ça m'a pas empêché de remarquer quand même qu'il y avait un gros manque de toilettes sur le festival, qu'elles étaient assez éloignées, que c'était pas pratique d'y accéder. A priori, un manque de douche, mais ça, je sais pas trop, parce que j'étais pas sur le camping. Donc, plus de douches, plus de toilettes, faut vraiment bourriner avec ça. Hein. Faut pas hésiter, vous avez 54 000 personnes, t'en mets dans chaque coin du festival. C'est bon, c'est réglé. Hein. Je suis pas sûr, mais il me semblait qu'il y avait pas vraiment d'eau potable accessible sur le site comme ça gratuitement. Donc ça va qu'il a pas fait trop chaud, qu'on est dans le climat breton. Donc il y a quand même des nuits fraîches, il y a un petit vent parfois qui vient calmer. Mais franchement, s'il y avait une canicule... Donc là, pareil, prévoir des robinets d'eau potable. Je pense que c'est incontournable dans un festival en été. Et enfin, dernier point négatif, le plus grave... Pas d'option vegan, voilà. Évidemment, je savais que vous diriez ça. Voilà, moi en tout cas, ce qui ressort de mon expérience au Motocultor, c'est qu'il y a des vibes que j'ai trouvées beaucoup plus bienveillantes qu'au Hellfest. Ce n'est que mon point de vue, que j'ai essayé de partager le plus possible avec tout ce que j'ai filmé sur place. Dernier point, est-ce que je recommande le Motocultor? Est-ce que personnellement je retournerai au Motocultor? Eh ben, je pense que je peux vous le recommander. Ce que j'espère déjà, c'est qu'ils vont pouvoir corriger les quelques points noirs dans l'organisation. Bon, en tout cas, sachant qu'ils ont trouvé un très beau site pour organiser leur festival, qu'ils ont l'air de repartir sur de bonnes bases, qu'ils ont l'air de vraiment vouloir se remettre en question, je
pense qu'il y aura des bonnes améliorations à l'avenir. Déjà qu'a priori, selon la plupart des personnes que j'ai interviewées, l'organisation cette année était particulièrement bonne comparée aux années précédentes. Ça veut dire qu'il y a quand même une progression qui est nette. Donc si cette amélioration se fait, oui, j'aurais tendance à vous dire, essayez-le au moins une fois. Dans tous les cas, je vous inviterai quand même, comme dans tous les gros festivals de cet acabit qui se déroule sur plusieurs jours, à être prévoyant. Prenez du PQ, achetez plein de packs d'eau, essayez de pas vous coucher trop tard pour être en avance dans la file d'attente à l'entrée. Prenez des snacks, parce que des fois les prix, ça peut vous surprendre sur place. Prenez de la crème solaire, prenez une casquette, enfin bref, l'attirail du parfait festivalier, je vous fais pas un dessin. Songez également à prendre des systèmes de douche portative, ça existe et ça peut être très pratique. En tout cas, si vous êtes vraiment bien préparé comme ça, il y a des chances que vous ayez une meilleure expérience que la plupart des festivaliers. Est-ce que moi j'y retournerai en tant que festivalier lambda? Honnêtement, maintenant que j'ai goûté au confort d'avoir un lit, d'être au calme le soir, et quand j'ai vu à quel point ça a affecté mon humeur et ma capacité à apprécier les concerts, je suis pas vraiment prêt à retourner sous une tente pendant 4 jours à faire la queue pour tout et n'importe quoi. Donc je pense que j'y retournerai avec plaisir si j'arrive à me dégoter un logement, voilà. Et si le motocultor veut toujours de moi dans l'espace presse VIP, hein, évidemment. En tout cas, si le motocultor me réinvite, moi, ce sera avec plaisir que je pourrai constater les progrès qui ont été faits par rapport à l'année précédente. Et toujours, évidemment, kiffer les concerts, parce que je trouve que la programmation du motocultor est de plus en plus fabuleuse, et que sur ce point-là, j'ai passé un excellent moment. Maintenant, je sais qu'il y a plein de gens qui vont en festival, qui aiment l'alcool, ou que ça ne dérange pas, que le bruit H24 ne dérange pas, qui sont tout à fait capables d'attendre 2 heures pour se doucher, voire ne pas se doucher du tout, et qui seront très contents à l'idée de vivre littéralement comme des SDF pendant 4 jours, si ça signifie voir tout leur groupe préféré. Et ça, en général, c'est dans le contrat tacite d'à peu près tous les festivals en plein air que je connais, ce qui fait que je sais que énormément de personnes vont apprécier le motocultor, et que malgré les quelques couacs d'organisation qu'il y a encore eu cette année, je ne peux que vous conseiller de tenter l'aventure. Voilà, et bien c'était tout pour moi. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, de vraiment confronter les points de vue, d'avoir un avis nuancé sur le festival et en essayant d'être le plus sincère possible. Si mon travail vous plaît, je vous invite à me financer sur Tipeee. Ça fait toujours plaisir et encore une fois, merci à tous les tipeurs de ce mois-ci. Mais si jamais vous avez envie d'avoir quelque chose en retour, et bien vous pouvez tout simplement acheter l'album de mon groupe Crystal Throne sur Bandcamp. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous, vous avez vécu une expérience du motocultor, ça m'intéresse de l'entendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partage, commentaire, mange ton cochon d'Inde en charcuterie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. D'ici là, n'écoutez pas de la musique trop fort. Protégez vos oreilles en festival pour éviter d'avoir des acouphènes. Allez, à ciao.